Et salut les Pokéfans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo dans laquelle il n'y aura pas d'ouverture. Pourquoi ? Parce que c'est simplement une vidéo pour vous remercier. Ça y est, vous êtes 100 abonnés sur ma chaîne. Vous êtes même 113, je crois, actuellement. Je m'y attendais pas du tout parce que je pensais que ça allait mettre un petit peu plus de temps que ça. Ce week-end, on était dans les 90. Et je pensais que j'allais atteindre les 100 peut-être à la fin de la semaine ou peut-être plus loin. Enfin, et ben non, finalement, lundi matin, je regarde, je suis à 105. J'étais vraiment super content. Je peux même pas vous décrire ma réaction. J'étais hyper heureux. Donc voilà, un grand merci à vous, un grand merci de me soutenir. Et voilà, pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas, hein, encore une fois, comme ça on augmentera encore. Mais voilà, merci beaucoup à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne. Pour l'occasion, j'ai sorti tous ces petits Voltorb. Pourquoi ? Parce que Voltorb est le Pokémon numéro 100. Alors je sais qu'on est plus de 100 maintenant, mais c'est pour le symbole. Donc voilà, je vais vous montrer... Par exemple celle-ci. Hop, voilà, numéro 100. Donc voilà, j'ai sorti ces petites cartes pour ça. Ouais, donc encore un grand merci. Je voulais vous montrer ça aussi pour l'occasion. Donc il n'y aura pas d'ouverture dans cette vidéo. Ah oui, d'abord je dois vous parler de ça. Tout simplement parce que je ne pensais pas que ça arriverait aussi vite. Et je m'étais dit, si j'atteins les 100 abonnés, j'ouvrirai une ETB Destinée Radieuse, voilà. Je savais pas trop si j'allais acheter des items de cette extension ou pas. Et finalement, je me suis dit, bah si, allez, je vais voir si je peux acheter une ETB. Et pour les 100 abonnés, comme ça... Ça fera une bonne vidéo. Donc malheureusement les ETB auront du retard. Donc je ne pourrai pas faire la vidéo avant la semaine prochaine. Et si tout se passe bien, j'aurai le coffret des Ressorts d'élite la semaine prochaine. Donc je pourrai, j'espère, vous faire la vidéo pour la fin de semaine prochaine. Parce que je l'ai réservé en fait. Donc je suis censé l'avoir, mais bon, on sait jamais ce qui peut se passer entre deux. Voilà. Donc voilà pour ça. Donc la vidéo pour les 100 abonnés, elle sortira en fin de semaine prochaine, je l'espère. Et on s'ouvrira une ETB Destinée Radieuse, en espérant qu'elle soit chanceuse. Cette semaine, il y aura une vidéo qui sortira dimanche. C'est une vidéo que j'ai déjà tournée parce que, en fait, dès que j'ai du temps, je tourne des vidéos, enfin une en général. Donc celle-ci, je l'ai tournée avant d'avoir les 100 abonnés. Donc c'est pour ça que j'en parle pas, tout simplement. Mais oui, parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour tourner les vidéos, donc dès que j'ai du temps, j'en tourne une, et même si je peux pas la sortir tout de suite... Donc voilà, on s'ouvrira dimanche, ce sera un coffre de collection, donc c'est une valisette voltage éclatant. Pour l'occasion, je voulais vous montrer ça aussi. Hop, une carte poussifeu totalement défoncée, mais tout simplement parce que c'est ma toute première carte Pokémon. C'est un garçon qui me l'a offerte quand j'étais, je ne sais plus si c'est en maternelle ou en fin de primaire, en début de primaire pardon. Mais voilà, donc c'est ma toute première carte. Donc je l'adore toujours autant, pourtant hein, elle est vraiment très abîmée. Mais je la trouve super belle quand même. Et c'est cette carte qui m'a donné envie de collectionner les cartes Pokémon. Voilà, je me souviens quand je l'ai eu, après je faisais moi-même sur des feuilles canson des cartes Pokémon. Donc voilà. Voilà ma toute première carte. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle a été votre première carte. Et oui, voilà, tout simplement.
Et ensuite, je vais vous montrer deux autres cartes. Faut savoir que j'ai commencé à... Les cartes, au tout début, j'en achetais que... Enfin, c'était mes parents qui en achetaient dans les brocantes. Moi, j'ai commencé à m'acheter des boosters à partir de Soleil et Lune, Ombres Ardentes, donc très tard. Mais quand j'étais plus petit, j'ai quand même eu deux boosters. J'ai eu un booster, ce sont mes parents qui me l'ont ramené un jour. Voilà. Et à l'époque, j'étais extrêmement chanceux, mais je ne le savais pas. Tout simplement parce que voilà, ça c'était la rare de mon booster, c'est-à-dire une secrète. Sulfura en secrète, voilà, vous voyez 149 sur 147. Donc elle vient de la série Platine Vainqueur Suprême, je crois. Donc voilà, magnifique carte. Bon, à l'époque, je ne savais même pas que c'était une secrète, hein. Elle était juste très belle, c'est tout. Donc voilà. Et j'avais vraiment de la chance parce que le deuxième booster que j'ai eu, c'était Noir et Blanc, Rivaux Émergents, je crois. Je ne suis même pas sûr de ce que je dis. Peut-être que je dis n'importe quoi. Bon, c'était une série Noir et Blanc. Peut-être que vous saurez dire laquelle c'était. Et je l'avais eu gratuit ce booster parce que je l'avais trouvé par terre à Cora. Et en le passant à la borne, et ben il ne passait pas tout simplement. Donc, je l'ai pris. Alors je sais pas si c'est du vol ou pas. Mais je l'ai pris, y a rien qui a sonné. Enfin bref, c'est comme s'il le vendait pas en fait. Et voilà ce que j'ai eu dedans. Donc voilà, un deux boosters. J'étais petit, j'ai eu deux boosters à des années complètement différentes. Et voilà, j'ai eu deux ultra rares, une secrète, une full art. Donc voilà, j'étais très chanceux et je ne le savais même pas. Bon, celle-ci, je me doutais bien quand même qu'elle était plus rare que les autres, étant donné que le Pokémon est sur toute la carte. Enfin, à l'époque, quand le Pokémon était sur toute la carte, forcément, c'était une plus rare. Mais voilà, un magnifique Boreas en full art, que j'aime également beaucoup. Donc voilà, ces trois cartes que je voulais vous montrer. Hop, je vais les mettre là. Donc ça, ce sont deux cartes ultra rares que j'ai pris de moi-même, en fait, les deux premières que j'ai eues dans des boosters. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Encore une fois, un grand merci pour les 100 abonnés, je suis vraiment super content. En plus, on est 113 hein, déjà, c'est énorme. Et je vous dis, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager si elle vous a plu. Voilà, petite vidéo de remerciement. On se retrouve dimanche donc pour l'ouverture de la valisette Voltage Éclatant, donc avec Pikachu Gigamax et Dracaufeu Gigamax. Et voilà, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Salut tout le monde.